Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. On nous a toujours dit des bonnes choses concernant le Canada. On nous a parlé de comment vivre, comment faire des business, comment s'intégrer, comment, en tout cas, comment tout ce que vous avez besoin au Canada, vous le trouverez. C'est comme Eldorado. C'est la plus, une des plus beaux pays du monde. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, qu'on nous parle concernant le Canada. Mais moi aujourd'hui, je vais venir vous dire ce qu'on ne nous a pas encore dit concernant comment trouver un partenaire au Canada. Un partenaire femme ou garçon, soit un copain, soit copine. Dans notre tradition, souvent, tu te laves, tu sors. Tu parles à n'importe qui, comme nous, on est hospitalier, on parle à n'importe qui. Et quand ça colle, ça colle, quoi. Mais ici, en Occident, ce n'est pas le cas. Ici, en Occident, tellement que les gens travaillent beaucoup, les gens n'ont pas le temps de socialiser avec les gens souvent. C'est surtout pendant les week-ends, mais de lundi au vendredi, les gens sont souvent au travail. Alors, les Blancs ont trouvé, les Occidentaux ont trouvé un moyen le plus facile pour trouver un partenaire. C'est seulement ces réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé ici, c'est réseaux sociaux. Oh mon Dieu. Alors, tous ceux qui disent sur les réseaux sociaux que c'est difficile de trouver un amant, c'est difficile de trouver un partenaire, c'est difficile de trouver un copain, soit copine. Le secret que les Occidentaux ont fait, c'est les réseaux sociaux. Tu peux chercher femme sur YouTube, sur Facebook, pardon, sur Instagram. Tu peux chercher femme sur les dating sites. Je ne sais pas comment on dit les dating sites en français. Mais il y a plein, plein, plein de moyens pour te taper une femme, soit un homme. Et ici, en Occident, souvent au Canada, si tu es timide, tu vas mourir timide quand il s'agit de l'amour. Ici, souvent, ça ne compte pas. Un garçon, soit une femme, peut aller draguer un homme. Puisque si tu ne fais pas les premiers pas, tu risques de passer toute ta vie célibataire. Ici, si tu es une femme, tu vois un garçon qui est joli, que tu apprécies, tu dois faire tes pas, tu dois montrer au monsieur que tu es intéressé. Ici, souvent, même les gens deviennent des camarades. Tu vas aller. Tu vas aller préparer chez un garçon qui est ton ami. À partir de cette amitié-là, ça va créer peut-être, vous allez vous trouver, vous avez déjà couché ensemble. Et c'est comme ça que les relations se forment ici en Occident. Ce n'est pas seulement dire à quelqu'un je t'aime, vous allez commencer à sortir. C'est presque ça, c'est presque traditionnel. Ça ne marche plus comme avant. Aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux, Facebook. Tu cherches femme sur Facebook. Elle te répond sur Facebook, vous vous convenez là où vous allez vous raconter, vous raconter. Si ça marche, si ça ne marche pas, tu recommences à zéro. Souvent, 100% ça marche, puisque les gens ont peur d'affronter, de recommencer à zéro. Ce que tu trouves, c'est ce que tu vas mourir avec. Alors, ici, au Canada surtout, quand. Vous venez ici, quand vous atterrissez ici, vous êtes célibataire. Soyez sûr que vous allez vous affronter à une vie une vie, comment on dit, ce qui n'est pas communautaire, une vie qui n'est pas sociale, une vie presque individuelle, une vie où il n'y a pas d'amis, il n'y a pas, vous pouvez avoir d'amis, mais il n'y a pas ami là. Pour trouver femme, il n'y a pas comment on trouve femme. Souvent, il y a les gens qui savent comment s'ouvrir, qui savent comment parler, qui savent comment s'intégrer, ils vont dans des bars, dans des boîtes de nuit, se chercher. Souvent, là où tu vas, donc il n'y a pas un endroit précis. Même si quand tu vas dans des boîtes, souvent les gens y vont en groupe. Si tu es toujours timide, là, tu ne peux rien faire. La seule façon, la seule place où un homme timide, soit une femme timide, peut se taper une un copain, soit une copine, c'est sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook, il y a façon de. Il y a là où on cherche femme. Tu vas sur les réseaux sociaux, il y en a plein, plein de sites internet où on cherche seulement femme, les rencontres amoureuses.
Alors, c'était la petite vidéo pour vous dire que on ne cherche pas seulement femmes traditionnellement comme on le faisait en Afrique, par exemple, mais aujourd'hui, le game a changé. On cherche sur les téléphones ici, il y a femmes déchirées dans ton téléphone. Si tu ouvres ton téléphone, vrai, 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 tu vérifies bien ton téléphone, il y aura femmes dedans. Hein, il y aura femmes dedans. Surtout à ceux qui ne savent pas comment parler, approcher les femmes. À ceux qui ne savent pas comment parler aux femmes, à ceux qui ne savent pas comment trouver une femme, les Occidentaux ont créé un moyen le plus facile, c'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Même un homme timide est capable d'envoyer un message. Même un homme timide est capable de s'exprimer facilement. Alors, quand vous venez ici en Occident, ici au Canada précisément, n'espérez pas que vous allez vous promener en route. Si vous êtes timide, vous allez vous promener en route et trouver n'importe qui et commencer à parler. Souvent, on te prend, on te trouve comme quelqu'un qui n'est pas normal quand tu commences à parler à un étranger comme ça. Souvent, on te voit comme tu es creepy, tu es un homme qui fait peur aux gens. Alors, avec les systèmes qui est ici, quand tu parles à une personne d'une manière qu'elle n'aime pas, ça risque d'être harcèlement. Alors, il y a beaucoup de façons, les gens ont peur d'approcher des gens pour éviter des casses, de telles casses. Alors, ceux qui ne savent pas, vous les nouveaux, soit vous qui planifiez de venir ici au Canada, la façon la plus facile aux gens qui ne sont pas capables de s'exprimer directement, les moyens les plus faciles, c'est réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook, il y a beaucoup de sites internet où tu vas trouver vraiment femmes. Tu cherches aujourd'hui, tu trouves aujourd'hui, tu casques tout aujourd'hui. Ça dépend de façon tu vas t'exprimer quand tu vas commencer à écrire, soit quand tu vas commencer à la parler. Ça dépend de façon que tu vas te présenter. Sinon, tu peux casser tout chaque jour. Ça dépend de ta façon, ça dépend de ta disponibilité. Alors, c'était la seule petite vidéo pour vous dire que ici, là, on ne communique pas direct. Les choses ont changé. On va d'abord sur les réseaux sociaux. Tu dois parler à la fille, tu envoies tes photos et ta voix photo. Si elle aime ta photo, soit toi, tu aimes la photo de Lago, qui t'envoie la photo. Vous envoyez des messages. Du message là, maintenant, vous allez échanger les numéros de téléphone. Du numéro de téléphone, vous allez vous communiquer, peut-être être habitué à des personnes. Et de là, vous allez quitter de ces milliers de messageries. Dans un café, vous irez dans un café. Si tu t'enjailles bien avec la personne, peut-être du café, vous irez au cinéma. Si vous enjaillez toujours, la même soirée là, soit si elle vit seule, soit si toi tu vis seule, elle peut venir te rendre visite la soirée là. Parce que ici là, on ne prend pas le temps, on ne gaspille pas le temps. On se raconte et on sait en même temps où on est. Soit on est déjà en relation, soit on va regarder après. Il n'y a pas quelque chose. Donc c'est comme ça là. Alors c'est une vidéo courte. C'était seulement pour répondre à ceux qui m'ont posé des questions. Est-ce que c'est facile de trouver femme ici? Les gens m'ont posé la question. Les gens me posent beaucoup de questions que je ne sais même pas comment répondre. Oui, il y a façon de trouver femme ici, mes chers amis. Il y a façon de trouver garçon ici. Ça dépend de ce que tu cherches. Si tu veux dans l'église, si tu sais parler, tu vas parler. Si tu vas dans des centres d'achat, tu vas aussi trouver femme, soit garçon. Mais si tu veux chercher vite, vite là, soit si tu es timide et tu ne sais pas par où commencer, je te conseillerais d'aller sur les réseaux sociaux. Facebook, là, ça va t'aider facilement. Soit il y a d'autres sites, réseaux, sites, beaucoup de sites qui vont te montrer ma femme, la femme. Il y a une femme là, si tu cherches une femme qui a affaire, ça va te donner. Une femme ça va te donner toutes les qualités. C'est à toi de gérer la situation que tu vas trouver. C'est toi qui vas choisir. Ici, on ne va pas seulement parce que tu aimes. Ici, on te donne tes qualités, tes conditions. Et si ces conditions-là sont, en tout cas, requises, tu es déjà dans l'amour. C'est simple. C'est plus simple que ça. Pas comme chez nous, là, tu dragues aujourd'hui. Demain, tu vas continuer à draguer. Tu dragues la bonne personne une semaine avant de dire oui.
Ici, c'est direct, direct. On ne dit même pas oui ici. Si vous vous connectez dans vos idées, c'est déjà oui. Alors, c'était seulement la petite vidéo là. À la prochaine. Bye.